Soit les circonstances, il
faut servir Dieu. Bonjour, chers amis téléspectateurs. En cas d'isote, moins content de passer ce moment-là ça avec Zot. Moins content de partager avec vous bonnes nouvelles-là. Et encore rappeler Zot, les enfants de Dieu ne doivent pas consulter les voyants, les sorciers. Les prêtres vaudous sont des satanistes. Les prêtres vaudous sont des satanistes, des gens malpropres. Des gens malpropres. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas appeler ces gens-là. C'est le diable incarné en eux. Prêtres mal aimés, prêtres vaudous, les voyants, ils ne marchent pas avec Dieu. Voilà. Et si vous consultez ces gens-là, vous commettez une abomination devant Dieu. Quelque part, vous reniez Jésus-Christ. C'est grave. Un chrétien qui va aller voir un voyant, ou un médium, ou un prêtre vaudou, on appelle ça l'apostasie. C'est-à-dire que tu rejettes Christ consciemment et volontairement parce que vous connaissez déjà la vérité. Moi, je préfère mourir que régner Jésus. Et bien sûr, ce que je dis là va me faire beaucoup d'ennemis. Je le sais. Mais vous savez, toute ma vie, je n'ai eu que des ennemis. Toute ma vie, je n'ai eu que des ennemis, je n'ai eu que des combats, je n'ai eu que des méchancetés. Mais je ne le regrette pas. S'il faut le recommencer, je veux le recommencer. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Voyez, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu seront persécutés. On dit tous, un exemple, quand vous travaillez, quand vous décidez de marcher dans la sainteté, donc dans la piété, quand vous décidez de vivre pieusement, c'est-à-dire dans la piété, selon la piété, dans la sainteté, dans un français plus simple, il y a des conversations à laquelle vous n'allez plus participer. Ça arrive souvent, entre midi et deux, vous êtes au travail, vous avez des amis, des collègues qui parlent sexualité, par exemple. Ils blaguent, ça les fait rire. Ou tu attends un ami qui parle, qui se vante de sortir avec la femme du voisin, là, et ça les amuse. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas rire de telles choses. Vous ne pouvez pas participer dans de telles conversations. Vous devez franchement condamner et désapprouver ça. Alors, vous avez un choix. Ou bien vous faites les compromis. Vous faites semblant d'être d'accord avec ça et vous riez avec eux. Ou bien vous restez ferme. Vous faites comprendre à ces gens-là que ce qu'ils font, c'est mauvais, que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et c'est bien sûr, la meilleure solution, c'est la deuxième. Et quand vous commencez à dire aux gens, vous n'êtes pas d'accord avec ça, et croyez-moi, vous allez perdre des amis. Là, vous pouvez être sûr que vous allez perdre des amis. Vous aurez des collègues contre vous. Ils se prennent pour qui? Ils vont se dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Vous allez vous retrouver seul. Je me rappelle lorsque je faisais l'informatique,
des gestions. J'ai eu une formation de l'informatique industrielle, automatisme et tout, quand j'étais plus jeune. Je ne l'ai jamais pratiqué, hein. Je n'ai jamais travaillé dedans. Analyse programmaire, on a appris des choses un peu, beaucoup de choses. Et je suis allé faire un stage dans une entreprise qu'on appelait GIFAC, qui était à Lyon. Et dans ce stage, GIFAC faisait plutôt l'informatique de gestion. Moi, j'ai été formé dans l'informatique industrielle. Et comme je n'ai pas trouvé de stage, croyez-moi, c'était une réalité à l'époque. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça a changé, mais quand vous êtes noir, vous pouvez être français, mais quand vous êtes noir, vous restez noir. Comme on dit noir, c'est noir. Pour trouver un travail, tu as deux fois plus de difficultés de trouver un travail qu'un blanc. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas, même pour trouver un appartement, un loyer. Mais ce n'est pas toujours du racisme. Hein. Ce n'est pas toujours du racisme. 50% du racisme, 50% des faits sociaux. Un exemple. Les plus mauvais payeurs de loyers, les plus mauvais payeurs de loyers, les gens qui sont champions en incivilité, c'est nous, la population étrangère ou les Français d'origine étrangère. Je ne mens pas, d'accord. En fin de compte, on se comporte tellement mal qu'on se fait nous-mêmes une mauvaise réputation. C'est comme aujourd'hui à Paris, pour trouver, quand vous êtes une église évangélique, pour trouver une salle, c'est devenu compliqué. Hein. Quand vous êtes une église évangélique, vous pouvez avoir de l'argent pour louer une salle. Mais pour qu'on vous accepte, même avec de l'argent, c'est devenu compliqué. Pourquoi? Parce que beaucoup des églises évangéliques à population étrangère ont fait tellement de désordres, ont laissé tellement de mauvais témoignages qu'aujourd'hui en France, nous sommes devenus mal réputés. Il y a des entreprises qui ne veulent plus louer aux églises. Ils ont généralisé. Ce n'est pas une motivation anti-religieuse qui pousse ces gens-là à ne pas louer aux églises. C'est simplement notre témoignage. Si vous allez dans les prisons, vous allez voir, la majorité, c'est le nègre ou l'arabe, ou l'Europe de l'Est. Oui, la prison, allez-y en prison, vous allez voir que nous sommes les champions là-bas, nous sommes la majorité. Oui, donc on se fait nous-mêmes une mauvaise réputation. Donc je tiens à dire, c'est pas toujours du racisme. Il y a une part de... Il y a aussi du racisme, je nie pas que ça n'existe pas, mais il ne faut pas toujours mettre tout dans le compte du racisme. Par exemple, vous allez aux États-Unis, on tue beaucoup les Noirs. La police tire facilement sur les Noirs. Et bon, il y a du racisme, mais vous allez voir 80% des infractions, 80% des infractions, vol à main armée, tuerie, c'est nous les Afros qui sommes champions. Alors, un policier blanc, lorsqu'il voit un noir, il a toujours peur, il a sa main dans la poche, mais parce que nous, on s'est donné nous-mêmes une image de bandits, de voyous. C'est vrai, il y en a qui agissent par racisme, mais on doit être responsable aussi de nos actes et prendre conscience que c'est notre comportement. Allez-y aux États-Unis dans les prisons, vous allez voir 80% des prisonniers sont tous afro ou latinos. Ah, vous allez voir. Et c'est normal que quand un policier voit un noir, il est déjà prêt à tenir une. Parce que, en plus, aux États-Unis, ils sont armés. Ils sont armés. Et bonne majorité de blancs,
Quand vous les arrêtez, vous les interrogez, ils sont polis avec le policier, ils sont respectueux. Vous voyez? Bon, moi maintenant, dans mon travail, je suis avec mon patron, on mangeait à midi. Le directeur va dire une chose, il dit, pour moi, partager ma femme avec quelqu'un n'est pas un mal. Je ne suis pas pour la fidélité, je trouve rien de mal de sortir avec un ami, qu'il couche avec ma femme, et moi je prends sa femme, ça brise la monotonie. C'est un ingénieur, hein? Il dit ça devant moi et devant tous les collègues, et tout le monde sait tait. Bien sûr, c'est le directeur. Et moi, comme je n'avais pas ma langue dans la poche, j'ai dit au monsieur, devant tout le monde, c'est diabolique. Je dis que c'est diabolique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et croyez-moi, j'ai signé mon exclusion. À cause de ça, je n'ai pas été embauché. À cause de ça, ce monsieur m'a pris à haine. Vous voyez, j'aurais pu seulement sourire et rien dire, j'aurais été embauché. Mais comme je préférais dire la vérité, j'ai été persécuté et j'ai été exclu. Donc, vivre pieusement selon Jésus-Christ, croyez-moi, c'est dur. Par exemple, quand vous êtes un pasteur, vous prêchez la vérité. Il y a des églises qui vous inviteront jamais. Pour inviter Bishop Lee dans une église, il faut vraiment aimer la parole, hein? Parce que moi, quand je prêche dans une église, je tape fort. Je dis les quatre vérités, je dénonce le péché, j'attaque le péché et je suis dur et je suis dans la parole. Mais si dans cette église, le pasteur n'est pas droit ou le pasteur est dans le compromis, crois-moi, il va trouver des excuses pour m'embrouiller et ne plus m'inviter. Mais en général, les fidèles sont toujours contents. Hein? Les fidèles sont heureux, contents, mais j'ai souvent des problèmes avec des pasteurs. Et parce que, étant que prophète, parfois je vois des choses. Je vois des choses qui se passent dans l'église, des choses cachées dans les ministères. Et quand je prêche, je touche ces choses-là. Je vous dis, très peu d'églises m'invitent. Hein. Donc, si vous voulez vivre pieusement selon Jésus-Christ, vous serez persécuté. Vous ne serez pas toujours toléré et accepté. Ne vous en plaignez pas. Ne vous en plaignez pas. Il faut accepter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Et puis, la parole dit qu'il se charge de sa croix avec joie. Réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous lorsqu'on vous critiquera, lorsqu'on vous rejettera, lorsqu'on ne vous acceptera pas. Réjouissez-vous. Malheur à vous si tout le monde parle bien de vous. Mais je vous avouerai, j'ai vu très peu de gens heureux qu'on parle mal d'eux. Entre nous, soyons sincères. Hein? Même moi, je vous avoue que des fois, je ne suis pas heureux qu'on parle mal de moi. Je suis énervé, je me fâche. Et il me faut un certain temps pour que le Saint-Esprit me rappelle ce verset. Réjouissez-vous lorsque on parlera mal de vous à cause de moi, car votre récompense sera grande dans le ciel. Ça, c'est un verset que on n'aime pas beaucoup, hein? Ah oui, ça, ce verset-là, je sais pas, mais très peu de gens aiment ce verset. J'attends tellement de chrétiens en train de se plaindre. De se plaindre, on a dit ça sur moi, non tel. Mais réjouissez-vous. Comment serez-vous couronné si vous ne souffrez pas avec Jésus? Il faut souffrir pour Jésus, pour être couronné avec lui. L'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui,
nous serons glorifiés avec lui. Bon, je vais voir si nous souffrons. Voyez, on va voir ce verset. Voilà. 2 Timothée, chapitre... Non, pas cette version-là. Donc, à écouter, version-là. Non, pas version-là. Il faut nous trouver bonne version. Voilà. Vous allez lire la Bible, hein? Je pense que ça vous a manqué, les versets affichés à l'écran. 2 Timothée, je vais essayer de préparer aussi pour, voilà, je vais essayer de le préparer pour télé anti. Voilà, on va nous cadrer ça. Voyez, 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Oui, mais cette version ne me satisfait pas complètement. Voilà, ça ne me satisfait pas complètement. Je ne suis pas satisfait avec ça. Et je vais chercher autre chose. Je préfère l'autre version qui dit de Timothée 2:12, c'est plus conséquent. Si nous souffrons, voilà, il dit ceci, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Voyez. Donc, souffrir avec Christ, une couronne se mérite. Hein. On ne vous donnera pas une récompense pour des choses que vous ne méritez pas, parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas vous donner une couronne que vous ne méritez pas. C'est la raison pour laquelle Dieu permet que nous souffrons pour lui. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Dieu permet que nous souffrons pour lui parce qu'il désire nous couronner. Il est un Dieu juste. Il ne peut pas vous couronner injustement, vous donner une couronne que vous ne méritez pas. Mais comme il veut vous glorifier et vous couronner au dernier jour d'une couronne de gloire, d'une couronne éternelle, il permet que nous souffrons pour lui. Vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? Mais malheureusement, nous avons une vision complètement charnelle et humaine de la vie. Nous prenons de la souffrance, nous concevons la souffrance comme une maltraitance. Mais quand vous prenez la souffrance comme un investissement pour un couronnement éternel, vous allez commencer à vous réjouir. C'est même la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, « Réjouissez-vous lorsque tout le monde parlera mal de vous à cause de moi. » Lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi. Pourquoi? Parce que si vous concevez la calomnie et les médisances comme un investissement pour une grande récompense éternelle, vous allez vous réjouir. Parce que lorsqu'on parle mal de vous, on vous calomnie, vous savez que cela veut dire simplement que au dernier jour, vous aurez une couronne formidable, vous aurez une grande récompense. Mais si, voilà pourquoi Jésus-Christ va dire malheur à vous lorsqu'on parlera que du bien de vous. C'est comme ça qu'on a fait des faux prophètes. Voyez, tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Et je dis, Seigneur, aide-moi à me réjouir. C'est vrai que, soyons d'accord, c'est pas évident.
C'est pas évident de se réjouir quand tu attends qu'on parle mal de toi. Humainement, c'est pas évident. Mais voyez les choses au travers de la parole de Dieu. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son succès, qu'il renonce à sa réputation, qu'il renonce à sa fierté, qu'il renonce à son orgueil, qu'il renonce à son image. Vous devez renoncer à vous-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive avec joie. Oh, j'aime ça. Qu'il renonce à lui-même. Amen. On va voir ce verset quand même. Hein. J'aime bien qu'on lise la Bible. Moi, c'est important que je vous fasse lire la Bible. Amen. On va voir cela dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. On est là. Matthieu 16, verset 24. J'en profite aussi pour prendre la photo. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Voilà. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, bien-aimé. Le problème que nous avons, beaucoup de gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Beaucoup de gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à la gloire. Ils n'ont pas renoncé à la fierté. Ils n'ont pas renoncé à l'argent. Ils n'ont pas renoncé. Alors, parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils sont tellement susceptibles. Ouh là là là. Quelqu'un qui a renoncé aux honneurs, vous pouvez les déshonorer, il n'a pas mal. Hein? C'est dur de vexer quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même, c'est comme un cadavre. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez le mépriser, le cadavre ne réagit pas parce qu'il est mort. Et le problème que nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. Nous n'avons pas renoncé à être admirés. Les gens aiment être admirés. Les gens aiment être reconnus. Les gens veulent être connus. Et malheureusement, beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu. Oui, oui, j'ai constaté que nous avons une panoplie de chrétiens dans nos églises, panoplie de personnes qui ont échoué dans la vie professionnelle, ou dans leurs études, ou dans la société, qui n'ont pas pu réussir socialement. Et ces gens-là trouvent dans l'Église une opportunité d'être reconnus. Je répète, il y a une panoplie, une catégorie, un bon nombre de gens qui viennent dans nos églises évangéliques, dans toutes les églises, des gens qui ont littéralement échoué socialement. C'est-à-dire que dans la société, ils sont rien. Ils n'ont pas pu soit réaliser leurs rêves, ils n'ont pas pu réaliser leurs ambitions, ils n'ont pas réussi peut-être leur carrière ou leurs ambitions. Ces gens, parfois, sont tentés de vouloir utiliser l'Église pour arriver à réussir. Un exemple, j'ai des brebis ingénieurs, que cela soit à Paris ou en Guadeloupe. Et je constatais que un chrétien qui est ingénieur, qui est médecin, ou qui a réussi socialement, ou qui a un bon travail,
En général, ils ne cherchent pas de poste dans l'église. Ils ne cherchent pas à être nommés, ils ne cherchent pas à être ceci. Ils ne cherchent pas de poste parce qu'ils sont bien dans leur peau. Mais vous allez voir des gens qui ont échoué. Malheureusement, beaucoup de ceux-là, ils sont toujours en quête de reconnaissance, en quête d'être nommés. Ils sont prêts à tout pour être nommés, pour être reconnus. Et ce sont certains même s'autoproclament pasteurs. Vous allez voir les gens, tu dis, tu es pasteur, oui, tu vas fouiller sa vie, il n'a pas un niveau d'études, il n'a rien, aucun bagage, il n'a reçu en rien. Et en fin de compte, ce sont des gens, ils se font passer pour des pasteurs pour des raisons pécuniaires, pour des raisons financières, et parfois pour avoir un statut social. Et ce sont ce genre de personnes, demain il est pasteur, après demain il se fait passer pour un prophète, après demain il se fait passer pour un apôtre. Ils sont toujours à la recherche d'un statut plus élevé, parce que pour eux la religion est un moyen, un prétexte pour se réaliser. Moi j'ai ma fille Cathy, qui est ici en Guadeloupe, à Paris. Elle est mariée avec son mari qui est ingénieur. Un homme doué, et je veux dire ingénieur, doué et intelligent. Le monsieur est un enseignant de la parole de Dieu. Hein. Mais il vient à l'église, il ne cherche pas à prêcher. Parfois, je le sollicite pour prêcher. Mais vous voyez que ce n'est pas une ambition. Le monsieur est tellement humble. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, ne cours pas derrière ces choses. Vous voulez servir Dieu ou vous voulez vous servir de Dieu? Vous voulez servir Dieu pour sa gloire? Ou bien vous voulez vous servir de Dieu pour avoir un rang social, pour avoir une reconnaissance, pour avoir une acceptation, une admiration? Et les gens qui se servent de Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas renoncé aux honneurs, qui n'ont pas renoncé à leur fierté. Et cela se voit lorsqu'on les critique ou lorsqu'ils ne sont pas acceptés. Ils sont prêts à tout casser. Hein. Ils sont prêts à démissionner. Ils démissionnent. Ils font tas d'histoires. Ils font des histoires. Ils sont même prêts à perturber l'église et même parfois à diviser l'église, à casser l'église. Simplement parce que ils sentent qu'ils n'ont pas été honorés. On ne peut pas m'accueillir comme ça. On ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne doit pas me parler comme ça. Ce n'est pas normal qu'on me parle comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. Moi. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es rien. Jésus-Christ a dit, après avoir fait tout ce que je vous recommande, dites-vous que nous sommes que des serviteurs inutile, nous ne sommes rien. Si tu ne veux pas prêcher l'évangile, même des pierres vont prêcher l'évangile. Nous ne sommes rien. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Si le maître a été rejeté, si le maître a été maltraité, si le maître on l'avait déshabillé, il suffit au disciple d'être traité comme son maître et cela lui suffit. Ne courez pas derrière. Renoncez à la gloire. Renoncez aux honneurs. Renoncez à la fierté. Renoncez à la reconnaissance. Renoncez même à la gratitude. On se plaint. Ah, les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. C'est parce qu'on n'a pas renoncé à la gratitude. On veut que les gens nous reconnaissent, que les gens soient reconnaissants. Mais les êtres humains sont ingrats. Il faut accepter ça. Ils sont ingrats. Ne perdez pas tout votre temps à pleurer, les gens sont ingrats, les gens. Vous perdez votre énergie, vous dépensez vos batteries avec ces mots. Vous savez, chaque fois que vous parlez, c'est la batterie spirituelle. Nous avons des batteries spirituelles. C'est l'énergie spirituelle que vous gaspillez. Ne gaspillez pas votre énergie à des paroles vaines, inutiles. Les gens sont ingrats, les gens sont méchants, les gens sont comme ça, les gens sont. Mais non! Il faut accepter ça. Je renonce à la gratitude. J'aide les gens. Je sais qu'ils seront ingrats, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas la gratitude.
c'est la reconnaissance de Dieu. Pour moi, ce que je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour être reconnu, je ne le fais pas pour être aimé, je ne le fais pas pour être accepté, je ne le fais pas pour être admiré, je ne le fais pas, je le fais par amour pour Dieu. Alors Dieu reconnaît, Dieu voit ce que je fais, Dieu reconnaît ce que je fais, ma récompense viendra de lui, peu importe l'attitude des gens. Qu'il soit ingrat, profiteur, c'est pas grave. Ils croient profiter de moi, mais ils se trompent eux-mêmes. On ne profite pas de moi parce que mon Dieu me récompense toujours. Voyez, ayez une attitude biblique, une attitude positive. Renoncez à la gratitude, voyez. C'est comme quand on éduque les enfants, on donne un bonbon à un enfant et le parent dit, hey, chérie, on dit quoi? Merci. Je suis pas contre ça, hein. Là, on est en train d'éduquer l'enfant. On est en train d'apprendre à l'enfant des bonnes manières. Mais parfois, nous les chrétiens aussi, nous voulons toujours qu'on nous dise merci. Et quand on ne dit pas merci, ou quand on n'est pas reconnaissant envers nous, on fait toute une litanie, on commence à pleurer, on se renferme sur soi, ou on quitte l'église. Ou, c'est pas bon. C'est le signe de quelqu'un qui n'est pas mort en lui-même. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à la reconnaissance. Quelqu'un qui n'a pas renoncé aux honneurs. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais nous avons deux pasteurs qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Nous avons des bishops qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Et voilà pourquoi vous les voyez toujours faire des histoires parce qu'on l'a mal reçu. Hein? Il y a des pasteurs, quand tu ne l'appelles pas pasteur, alors là. Il y a des pasteurs, quand tu fais l'erreur, il est apôtre. Hein? Tu l'appelles mon frère. Je ne suis pas un frère, moi, je suis apôtre. Je suis un homme de Dieu, on m'appelle apôtre. Oh là 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 là. Midi 14h. Mais le plus grand titre que nous puissions avoir, c'est frère. Tu peux être un apôtre, tu vas en enfer. Hein? Tu peux être un bishop, tu vas en enfer. Tu peux être un prophète, tu vas en enfer. En enfer. Mais quand tu es fils de Dieu, donc un frère en Christ, donc fils de Dieu, le ciel t'est ouvert. On ne peut pas être fils de Dieu et aller en enfer. Donc quelqu'un t'appelle ton frère, c'est-à-dire que tu es fils de Dieu. Donc le plus grand titre, le plus merveilleux qu'un être humain puisse avoir sur terre, c'est être fils de Dieu. Donc quelqu'un qui t'appelle frère, même quand tu es apôtre, il ne t'insulte pas. Eh, mais nous, surtout nous les Afros, hein, nous les Africains, nous tenons tellement au titre Maréchal Soleil, Empereur Bokassa, Maréchal Mobutu. Il n'a même pas gagné une seule guerre. Maréchal Mobutu, Général, ceci. Oh là 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 là. On aime tellement les titres, nous les Africains. Les titres. Alléluia. Je voulais partager avec vous autre chose, hein. Mais le Seigneur m'a conduit sur autre chose. Le Seigneur m'a conduit, je voulais parler plutôt de la sainteté, mais le Seigneur m'a conduit à partager avec vous sur le renoncement. Renonçons à la gloire du monde. Renonçons au succès du monde. Quand je dis au succès selon ce monde. Pour vous, un homme qui a réussi, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi le succès? Être connu? Des fois, quand je regarde sur TikTok, je regarde sur les réseaux sociaux, vous voyez certaines personnes qui se disent pasteur, chercher à faire du buzz, se comporter d'une manière indigne, quoi. D'une manière indigne, parce que pour eux, réussir, c'est être connu, quoi. Comme des païens. C'est quoi le succès pour toi? C'est être connu? Non, c'est pas ça le succès. Le succès, c'est faire la chose
que Dieu attend de toi. C'est ça le succès. Le succès, réussir sa vie, c'est accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Si Dieu m'a appelé à balayer l'église, si c'est ça le ministère que Dieu m'a donné et que je balaye bien l'église, je réussis ma vie, bien-aimé. Ne pense pas que parce que toi, tu es bishop, tu es apôtre, tu as réussi mieux que moi. Si Dieu a appelé Jean-Baptiste à présenter Jésus. Et Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il n'avait pas une grande maison, hein. Si réussir sa vie, c'est avoir une grande maison, Jean-Baptiste n'en avait pas. Il mangeait des sauterelles comme un sauvage. Et pourtant, il aurait pu aller manger dans le palais d'Hérode. Mais il préférait manger des sauterelles dans le désert. Il ne voulait pas devoir à un être humain. Il ne voulait pas dépendre des hommes. Il préférait manger les sauterelles dans le désert, mais pourvu qu'il soit dans la présence de Dieu. Il s'habillait pas classe comme nous aujourd'hui. Il s'habillait dans un vieux manteau en peau de chameau. Mais pour Jésus, personne n'a réussi le ministère mieux que Jean-Baptiste. Chez nous aujourd'hui, nous les pasteurs modernes, un pasteur qui a réussi son ministère, c'est Teddy Jack. C'est possible. Hein? Ou c'est les Américains qui ont des 4x4, de grosses voitures, une grande assemblée vitrée qui est très riche. Pour nous, voilà des hommes de Dieu qui ont reçu leur ministère, qui ont du succès. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Je n'ai pas dit que Teddy Jack est une abomination, mais souvent les choses qui sont élevées devant les hommes, qui sont grandioses, c'est une abomination. Jean-Baptiste n'était pas grand. Il vivait dans le désert comme un clochard. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, de tous ceux qui sont nés d'un rapport sexuel, il n'y a jamais eu plus grand prophète que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Moïse, prophète Élie, David, Salomon, tous les êtres humains qui sont nés, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Voyez. David, malgré son succès, son palais, c'est... mais non, Jean-Baptiste est le plus grand. Moïse, malgré la puissance, surtout nous qui aimons la puissance, Moïse, les chrétiens pentecôtistes aiment beaucoup la puissance. Moïse, malgré la puissance, les miracles, tout. Élie qui a fait descendre le feu du ciel, qui est monté vivant dans le ciel. Malgré tout ça, n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Alors, arrêtons de courir devant la grandeur selon les hommes. Arrêtons de courir devant le succès, le buzz. Arrêtons de courir devant la reconnaissance. Dernièrement, j'ai vu, voyez là, je prêche, il y a 50 personnes. Là, je prêche, il y a 50 personnes qui me suivent. Mais je connais un pasteur, lorsque lui prêche, il y a 1200 personnes qui le suivent en direct sur YouTube. J'en connais deux. Je ne dirai pas leur nom parce que je n'aime pas me dire. Voyez. Et pourtant, ils enseignent des choses qui sont fausses. Ils disent tas de bêtises. Ils disent des bêtises même, des choses qui ne sont pas bibliques. Un est dans le péché. Un, quand il est sur Facebook ou sur YouTube, il y a au moins 1200 personnes, mais il est dans le péché, il est un menteur, il ment, il fait des fausses prophéties, il fait des combinaisons. Voilà, les gens aiment ça, les gens du monde, quand je dis les gens du monde, des chrétiens évangéliques charnels, ils aiment ça. Des chrétiens évangéliques charnels, ils aiment ça. Et si moi je veux que nous soyons plus de 1000,
Je commence à faire des fausses prophéties. Je commence à faire du cinéma, du spectacle. Vous allez voir comment ça va monter les nombres. Mais si je prêche la sainteté comme ça et j'attaque le mal, il n'y a que ceux qui aiment Dieu qui vont rester connectés là. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu. Un autre, je le suivais sur Facebook. Il y avait au moins 1200 personnes qui suivent en direct. Le monsieur dit, le temps prophétique est cyclique. Écoutez bien, le temps prophétique est cyclique. Ça veut dire la réincarnation. Ça veut dire, ça c'est du bouddhisme. Ça c'est du bouddhisme. Chez le bouddhisme, le temps est prophétique. Un homme meurt, il se réincarne, il revient, et c'est un cycle. Mais quand tu attends un pasteur évangélique dire que le temps prophétique est cyclique, c'est une abomination. Mais tu regardes 1200 personnes qui suivent ça. Ah, dis-moi, je dis, c'est pas possible. Vous voyez, les faux prophètes. Bon, je dis pas que les faux prophètes, hein, mais des bêtises. Et je l'ai corrigé, j'ai dit non, mon frère, c'est pas cyclique, c'est linéaire le temps prophétique. C'est linéaire, nous venons de l'éternité, nous allons à l'éternité. Quand Ecclésiaste dit tout recommence, tout ça, c'est un langage poétique, ce sont des allégories. On est, on meurt, on ne renaît pas. On est né une date et puis on part une date et puis on ne revient plus. C'est l'éternité. On fait de l'éternité, on va dans l'éternité. C'est une ligne. Bon, certaines personnes auront du mal à comprendre ce que j'ai dit. Hein. Mais les théologiens savent de quoi je parle. Voyez, ne courez pas derrière le succès. Ne cherchez pas à être élevé devant les hommes. Renoncez au succès selon le monde. Renoncez à la popularité selon ce monde. Renoncez à la gloire selon ce monde. Renoncez à votre image, à votre fierté. Renoncez, jetez votre couronne aux pieds de l'agneau, comme les 24 vieillards. Ils ont jeté leur couronne. Ils ont dit, Seigneur Jésus, tu es le seul digne de recevoir toute la gloire. Renonçons. Renonçons. C'est comme le dernier clip de Moïse Mbille. Il dit, j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour avoir l'argent. J'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Et nous avons trop de chrétiens qui n'ont pas renoncé. Nous voulons suivre Jésus, nous voulons être apôtres, nous voulons servir Dieu, mais nous voulons renoncer à rien. Et surtout, on refuse notre croix. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tendre Père, aide chacun de nous à renoncer à la gloire selon ce monde, au succès selon ce monde, à renoncer à ces choses, à la convoitise du monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un a l'amour du monde, il est ennemi de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux est une abomination devant Dieu. Nous ne devons pas aimer les choses du monde, Seigneur, mais en nous les dégoûts du monde. Mets en nous les dégoûts de la gloire selon ce monde. Ne cherchons plus la gloire selon ce monde. Cherchons la gloire selon Dieu. Ne soyons pas attirés par ce qui est élevé, mais soyons attirés par ce qui est humble. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes humbles qui t'aiment et qui te craignent. Je vous aime beaucoup.
Emmanuel vient. Emmanuel vient. Quand je doute, quand